les gars, c'est Opi, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc les gars, aujourd'hui je vous propose une nouvelle review, ce sera la review de Jamie Vardy, le joueur de Leicester qui a été élu record breaker. Il a tout simplement marqué 11 buts d'affilée sur 11 matchs consécutifs. Voilà, c'est juste une carte énorme. Je l'ai acheté pour 500 000 crédits, je vous expliquerai après pourquoi. Avec lui les gars, j'ai fait 12 matchs, 24 buts, 3 passes décisives. Il a 3 étoiles, 2 mauvais pieds, 3 étoiles, 2 gestes techniques. Il a des rendements élevés en attaque et en défense. Donc ce joueur, je l'ai acheté 500 000 crédits tout simplement parce qu'il est absent sur le marché, voilà, il est introuvable. Donc j'ai vérifié sur toutes les plateformes, il est introuvable partout. Donc les gars, faudra vraiment galérer avant de le trouver. 6 stats à retenir chez lui les gars, l'accélération 90 d'accélération, la vitesse 93, positionnement qui est de 81, 84 de finition, 97 d'agressivité et 99 d'endurance. Donc les gars, qu'est-ce qu'on peut dire de Jamie Vardy, record breaker, le joueur qui a 82 de général? Tout simplement déjà les gars, ce qu'on peut noter c'est qu'il a pris un plus 11 sur sa carte de base. Il est normalement argent 71, là il passe à 82 de général, c'est juste énorme, il n'y a pas eu d'autre aussi gros up par rapport aux cartes spéciales. Donc il est tout simplement très très bon, j'ai vraiment kiffé, ça fait pratiquement 2 buts par match. Malheureusement il est très difficile à trouver. Et en plus 500 000 crédits, ça fait quand même mal au cul les gars, on peut se dire. C'est seulement un joueur qui a 82 de général, mais voilà, vu que c'est un joueur qui joue en BPL, il est record breaker, la carte est très très jolie. Voilà, on peut l'associer avec des Mahrez, etc. C'est assez intéressant. Voilà, le profil des acheteurs les gars, ce sera plutôt des gens qui vont être assez riches. Si vous êtes un gars qui cherche vraiment l'efficacité, ne mettez pas 500 000 crédits sur un Vardy, mettez plus sur quelqu'un qui s'appelle Agüero. Voilà, il aura un meilleur général. Mais voilà, Vardy c'est vraiment pour le kiff, il est vraiment juste énorme, il est aussi bon qu'un Agüero, ça y a pas à dire. Mais l'Agüero maintenant il est beaucoup moins cher qu'un Vardy. Donc les gars, c'est vraiment à vous de voir si vous aimez la vitesse, etc. Posez les crédits sur le Vardy parce qu'il est vraiment très bon. Donc on va passer à ses points positifs les gars. La vitesse bien sûr, 92 sur la carte, 93 de vitesse. Il va extrêmement vite, je l'ai senti franchement, il faisait vraiment la différence. Sur tout ce qui est LBY, passe en profondeur, il prend de vitesse tout le monde. Autre point positif les gars, la finition 84, c'est vraiment très très acceptable pour un attaquant qui a seulement 82 de général. Et j'ai kiffé franchement, il m'a pratiquement rien loupé devant le but sauf quand il est sur son mauvais pied. Voilà, c'est une stat à mettre entre parenthèses, je l'ai mis dans les points négatifs normalement. Le positionnement aussi les gars, LBY comme je vous l'ai dit, il est hyper bien positionné malgré qu'il est seulement 81 de positionnement, ça gêne pas du tout. Parce qu'avec sa vitesse etc, c'est juste énorme, il se positionne toujours bien pour être là au bon moment. Comme là vous pouvez le voir avec un espèce d'LBY sur le joueur. 99 d'endurance, c'est vraiment très très important parce que vu que c'est un joueur qui court très très vite, j'hésite pas à sprinter avec le joueur. Et résultat, je sprint tout le temps et il est jamais fatigué. Tous les joueurs de mon équipe étaient tous fatigués fin de match alors que lui il avait encore pratiquement la moitié de la barre d'énergie. Donc voilà, c'est vraiment une qualité parce que voilà, c'est très important cette année, surtout que l'endurance baisse assez vite. L'agressivité les gars, 97, voilà, toujours, il met toujours la pression sur le joueur, c'est sur le défenseur surtout. C'est assez intéressant parce que comme ça, ça permet de récupérer, de lancer une contre-attaque et pourquoi pas de marquer. Les points négatifs les gars, 3 étoiles, 2 jets techniques. C'est vraiment dommage, il a une bonne stat en dribble 82, c'est vraiment très acceptable. Il a seulement 3 étoiles de jet technique. On aurait pu faire mieux, mais voilà, c'est le joueur, il skill pas beaucoup dans la vraie vie. Mais voilà, c'est vraiment dommage qu'un record breaker, on aurait bien aimé à 4 étoiles de gestes techniques. Autre point négatif, les gars, coup de pied arrêté. 56 de coup franc, c'est vraiment peu, il est vraiment pas bon de ce côté-là. Il a que 70 en passe sur la carte et ça se ressent, il est vraiment pas bon de ce côté-là. Et un autre point négatif positif, on peut le mettre dans, entre parenthèses, c'est la force. 87 de physique, voilà, c'est pas vraiment la force qui est de 87, c'est tout ce qui est endurance et équilibre. Donc voilà les gars, je vous ai tout dit sur le Jamie Vardy record breaker. J'espère que vous avez aimé la vidéo. On se dit à la prochaine les gars, c'était Oupi, ciao! Savannah.
confiance comme on l'a fait dans les derniers matchs, que des victoires. La victoire dans la coupe de la pré-saison. Première action les gars, d'ailleurs 34e minute de jeu, 1-0, ça fait très très mal dès le début du match. Vardy qui a la balle, frappe, gros arrêt du gardien. D'ailleurs qui la remet bien de la tête et Mahrez à la finition. Il est vraiment trop chaud ce joueur. Qu'on va retrouver directement après, prochaine action, ça va être le 3-0. Oh là là, le viol.